Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment avoir l'application PayPal sur iPhone en 2023. Donc, vous savez bien que l'iPhone, quand vous êtes dans un pays inéligible, vous n'avez pas la possibilité d'avoir certaines applications comme PayPal. Donc, dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment résoudre ce problème-là. Donc, je vais aller dans l'App Store et je vais vous montrer que je n'ai pas la possibilité d'avoir PayPal dans mon téléphone. Si je recherche PayPal, vous allez voir là que je n'ai pas l'application disponible. Donc là, vous pouvez bien évidemment voir que je ne parviens pas à trouver l'application dans mon App Store. Donc là, vous pouvez voir, il n'y a pas l'application PayPal. Donc pour résoudre ce problème là, nous allons directement aller dans les paramètres. Vous allez donc cliquer sur votre compte Apple. Et là, vous allez directement cliquer sur Media and Purchases. Là, vous défendez en anglais. Je ne sais pas si le vôtre aussi en anglais, mais vous allez faire l'effort pour pouvoir comprendre la vidéo là où on défend en anglais. Du coup, vous allez cliquer directement sur Media and Purchases. Vous allez cliquer sur View Account, voir le compte. Et là, vous allez devoir entrer votre mot de passe pour pouvoir accéder à votre compte. La connexion dérange un peu. Ok, là je n'ai même pas besoin de mon mot de passe puisque j'avais déjà entré. Du coup, vous allez cliquer sur country slash region. Là, c'est la région et le pays. Et ensuite, je pense que vous allez devoir changer de localisation. Vous allez changer votre pays. Donc, vous allez patienter tant que vous accédez à vos paramètres dans votre compte. Ok, là vous allez cliquer directement sur Change Country Origin. Là, vous allez changer de pays. Vous pouvez entrer là les États-Unis. Vous pouvez choisir aussi la France. En fait, des pays qui sont majoritairement dans la zone européenne en fait. Donc du coup, là, vous pouvez choisir par exemple, je vais prendre l'exemple la France. Vous allez patienter juste quelques instants et là vous allez devoir accepter les termes et conditions d'appel. Vous allez directement cliquer sur agree. Agree. Cliquez sur agree. D'accord. Bon, là vous allez juste devoir entrer vos différentes informations. Si vous n'avez pas de carte de crédit, vous allez cliquer sur non. Ok. Là vous allez juste entrer les informations aléatoires, puisque moi je ne suis pas en France, je vais juste mettre Paris. Là, je vais juste mettre les numéros que je vais juste inventer là. Là, je vais mettre peut-être Lyon. Je vais juste mettre un numéro aléatoire. Ok, là, je pense que c'est bon. Vous allez cliquer sur Next. Bon, là, je sais pas, on va juste essayer plusieurs numéros aléatoires. Ok, là, vous allez cliquer sur Done, terminer. Et là, vous allez revenir dans l'App Store. Et ensuite, ok, ça va actualiser d'abord. Vous allez directement encore rechercher la PayPal. Donc, du coup, là, vous pouvez constater que nous avons directement accès à l'application PayPal après que nous avons changé notre pays. Donc, vous pouvez maintenant télécharger l'application et l'utiliser tout simplement. Donc, c'était ça pour cette vidéo. Vous pouvez désormais utiliser l'application PayPal sur votre téléphone. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste cliquer là sur télécharger et ensuite patienter. Donc, vous aurez désormais l'application PayPal dans votre téléphone. Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner si ce tutoriel vous a plu. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.